cette chanson s'appelle Alalaké. Qui est connue dans nos communautés malgaches. C'est une chanson sacrée. Dans nos communautés mandingues. C'est pourquoi, quand on regarde, on lit, on voit le nom, on écoute le nom de famille, les gens qui ont eu la possibilité très longtemps, demandent les griots, dire, je veux que tu composes une chanson pour moi. Donc quand le griot compose une chanson pour toi, même si tu ne peux plus mettre arrière, petit-fils, partout là, ton nom ne va jamais disparaître. Partout là où tes petits-fils vont, tu dis mon nom de famille c'est ça, on dit oui, ton arrière-grand-père avait payé le griot pour composer cette chanson, donc cette chanson-là c'est pour toi. Donc nous le griot, nous sommes le messager. Parce qu'avant,
il n'y avait personne qui pourrait dire la vérité au chef de village, ou bien l'empereur, ou bien chef de Warrior King, le chef guerrier. Vous voyez? Donc, en ce moment, si la population veut parler au chef, il ne pouvait pas. Il parle au griot, le griot compose une chanson pour donner le message au chef. Quand le chef veut transmettre le message à sa population, il parle au griot, et puis le griot aussi compose une chanson. Faire. Donc, c'est une improvisation, donc il se venu. Vous pouvez compter mes frères.